Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo. Je vais faire mon premier, je viens de réaliser mon premier training à honneur de la défense. Là, vous allez voir dans la vidéo ce que j'ai fait. C'était vraiment histoire de tester la salle. Je me suis entraîné avec Ryan. Salut. Que vous allez voir souvent sur les vidéos sur la chaîne. C'est un gars que je coach et en même temps, c'est devenu un bon pote, on va dire. C'est un vrai pote. Un petit ancien. Donc voilà, donc vous allez voir la vidéo. Et j'ai mis aussi un short montrant le Honor la défense. Donc comme ça, vous pourrez voir. Pour ceux qui sont abonnés à Honor la défense, vous pourrez voir comment c'est. Et au fur et à mesure dans ma vidéo, je vais vous montrer un peu comment la salle est. Et voilà. Ici, on a à peu près 1000 kilos, je crois, une tonne de poids calibré. On a des barres qui vont arriver. Ils vont finir, ils vont terminer d'installer les sols, les plateformes de terre, etc. dans quelques semaines, dans quelques jours, quelques semaines, je pense. Mais en tout cas, la salle, vraiment, elle est nickel. En plus, le côté cross-training, force, etc., c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez, on a une vue sur la défense et c'est vraiment lumineux. Pour tous ceux qui font du contenu, qui traitent du contenu, c'est vraiment un endroit où venir s'entraîner, un endroit où venir faire du contenu, tout simplement parce qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a vraiment du bon matériel et c'est rare pour le souligner dans une salle commerciale. Déjà, le patron de Honor la Défense, c'est le même patron que Honor la Courneuve. Donc déjà, il y avait des poids calibrés, mais là, vous allez voir, il y a vraiment des poids calibrés ici. Sans plus tarder, je vais vous montrer la petite vidéo que j'ai faite. Donc, on va passer sur un petit voice-over. Là, mon échauffement se passe barre à vide. Ensuite, je vais passer sur les poids de 25 kg. Donc, on aura 70 kg sur la barre. Toujours le warm-up avec quelques séries. Ensuite, on va passer sur 120 kg. Donc, deux plaques rouges. Et la troisième barre sera à 160 kg. Donc, deux plaques rouges et une plaque bleue. Donc là, un petit coup de promo pour ma marque. Stenche.fr, allez sur le site. Donc on reprend, là on est toujours sur l'échauffement à 120 kg, ensuite on va passer, comme je vous avais dit, à 160 kg. Je vais faire deux reps, ensuite on va passer à 170 kg où je vais faire une rep. La dernière barre de chauffe sera à 200 kg. Là, c'est Ryan qui va faire, qui est toujours à l'échauffement pour le soulevé de terre. Là, il est à 150 kg. Là, vous pouvez voir derrière moi, en fait, un peu la salle. Je vous filmerai dans les prochaines vidéos l'ensemble de la salle. Je vous montrerai parce que de l'autre côté, il y a 6 bancs, je crois, de développé couché. Il y a une machine pour le hip thrust. C'est vraiment bien pour tout type d'entraînement en fait. Donc là, on est sur le warm-up, la dernière barre de chauffe à 200 kg. Et on va passer sur le top 7 à 220 kg. Les 220 kg, je ne les ai pas trouvés vraiment compliqués. Je sors d'une grippe, donc je suis vraiment fatigué. J'ai des courbatures de partout. Mais les 220 kg, ça a été. Je pense que dans quelques semaines, on va aller beaucoup plus haut. Je vous montrerai tout ça. Là, il y a Ryan qui est sur son top 7 à 210 kg. Donc, 3 répétitions. Normalement, il avait 3 séries, je crois. Et donc on passe sur les back-off, excusez-moi, on passe sur les back-off. Donc on a 3 séries de 3 reps à 170 kg. Puis la séance va se terminer là. Donc vraiment une agréable sensation en tout cas par rapport à cette salle et à tout son potentiel.
Aussi, ça va être un endroit où je pourrais rencontrer beaucoup de power français. Donc, ça va être bien pour pouvoir discuter, en fait, pour pouvoir les inviter également sur la chaîne. Donc, la vidéo se termine là. J'espère que vous aurez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour...